Regarde. Et là, four à pain. Voilà une pièce intéressante et encore un indice du passage de l'armée allemande. En parcourant et en explorant ce fort, on a trouvé ce reste d'obus, en tout cas la douille. On voit ici une déformation, sûrement due à la chaleur et l'incendie. Donc l'obus a commencé à chauffer, il a penché, il a plié et puis il a fini par éclater avec la chaleur. Et on voit là que il reste plus grand chose. Et donc il devait être stocké en plein cœur du fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est marqué. On va peut-être pas bien voir à l'écran, on verra peut-être mieux sur des photos. Mais ici, là, il est marqué 7,5 cm. C'est un calibre 75 KWK 40. Et il est marqué de 1944. Donc ça peut être un obus de PAC 40 anti-char. Peut-être pour un canon qui protégeait l'entrée du fort. On ne sait pas. En tout cas, c'est sûrement pas pour stocker, il n'a pas été stocké en masse dans le fort, c'était pas un fort qui servait à ça, il servait bien à stocker du carburant, mais il y avait peut-être un canon à proximité pour protéger les alentours, voilà. On peut comparer avec un autre obus, la taille hein, qui est quand même impressionnante, là un plus petit calibre. Je tiens largement dans la main, ça doit être du 37 mm si je me trompe pas. Et là, à côté, le 75.
Regardez-moi ça, c'est incroyable parce que il reste encore un ancien sidecar de l'armée allemande avec petite remorque spécialement faite pour les fûts. Il transportait le fût là-dedans, couché. Et là, on a le sidecar qui est en miettes, enfin qui est complètement brûlé évidemment. Ça veut dire qu'il y avait des soldats qui faisaient les allers-retours dans le fort pour stocker et sortir les fûts avec ce sidecar. Et on a plusieurs chariots là. On a un, deux, trois chariots. Là, complètement brûlé. Là, on voit la roue avec les rayons. Ici, on voit clairement un garde-boue. Le garde-boue. Les rayons. C'est peut-être aussi un chariot, ça. C'est peut-être pas le sidecar. Et on avait plus stocké à côté. Ici aussi, ça a chauffé. 1500 degrés. On a les murs confondus complètement. Encore une autre couleur ici, un peu particulière. Un mélange de vert, de orange, de bleu. Aujourd'hui, plusieurs associations entretiennent des forts de la ceinture de Strasbourg et elles proposent régulièrement des visites guidées. Ce reportage se termine, mais on se retrouve très bientôt, je l'espère, parce qu'on a encore beaucoup à découvrir avec ces forts de la ceinture de Strasbourg, mais aussi avec ce fort gigantesque de Mutzig, le fort Kaiser Guillaume II. À bientôt!